Il ne fallait pas être frileux pour cette 5e édition du marathon de Cernay-la-Ville. Les coureurs ont fait leur échauffement dans le gymnase. Durant la course, une moyenne de 5 degrés Celsius, un vent assez fort. Les conditions de ce marathon organisé en hiver. Quand on organise une course en été, on pense avoir du beau temps et on n'a pas toujours du beau temps, tandis que quand on organise en hiver, on ne s'attend pas à avoir du beau temps et on n'a pas du beau temps. Le sportif n'attend pas simplement de courir, mais il attend des challenges. Et le challenge qu'on leur propose, c'est de courir tout de suite après les fêtes, après les bulles du jour de l'an et de venir directement en bonne résolution de sportive. Avec un départ rapide à travers les villages de Bullion et la Selle-les-Bordes, Gaspard Fonbonne, vainqueur des trois dernières éditions, creuse l'écart avec ses deux poursuivants. David Wamster et Didier Subilo ont terminé 10 minutes derrière Gaspard. Il cavale tout seul avec un temps de 2,40, donc c'est vraiment énorme. Là, c'est un autre niveau après. Pour gagner 10 minutes, il faut vraiment être très fort. Moi, je pense que je manquais un peu de volume, mais sinon, il y a peut-être moyen de descendre sous les 2,40, mais de là, disons, à inquiéter le premier, je pense que c'était un peu difficile aujourd'hui. Objectif de Gaspard Fonbonne pour cette édition, améliorer le record de l'an dernier en descendant sous les 2h39 minutes. C'est chose faite, il a parcouru les 42 km en 2h38 minutes. Sur les derniers kilomètres, on avait le vent en pleine face, on était très exposés, donc la fin de course était vraiment difficile. Tout le début, ça allait, voilà, j'améliore d'une minute par rapport à l'an dernier et d'une minute par rapport à 2015. Donc voilà, dans 30 ans, je battrai peut-être le record du monde. Avant le record du monde, l'Auvergnat a déjà donné rendez-vous à ses adversaires en 2019 pour tenter de battre cette nouvelle performance.